ринг. Тази седмица европейския боксов съюз определи българинът Мартин Кръстев за официален претендент за титлата Европейски шампион по бокс за професионалисти в категория Супер Петел. 28-годишният Мартин ще се качи на ринга срещу шампиона Салим Мечкун от Франция до края на годината. Как взехте това решение от аматьорски да преминете в професионалния? Не е ли така по-страшно? По-разкално е, когато станаха промените в България. Основа са първата професионална боксова федерация. Реших да поема този риск и да пробвам, защото в край на кращата в аматьорския бокс, колкото и звучи сега, мога да обида някой, но се тъпче на едно място. Цикъл световно, европейско, олимпиада и това е. Не можеш. А все пак професионална бокса играе за пари. Не ви ли е страх от предварително оговорени и продадени срещи? Не ме е страх, защото няма такива на този етап. Вече на това ниво мачове за европейски титла, за официален претендент и немислимо е просто. Защото се дават много пари, няма такова поле за такива неща. Мартин Кръстев тренира под ръководството на олимпийския шампион от 80-та година Петър Лесов. До сега е изиграл 18 срещи, 16 от които е спечелил. Боксьорът има абсолютно реални шансове и възможности да стане първият българин европейски шампион по бокс за професионалисти. Шансовете са му. Дори мисля и ако не съм убеден, няма да работим, за да постигнем титлата. Мисля, че има всички шансове да спечелим. Mais les hymnes, on va pas les faire. On va juste prendre quand ils viennent au centre de ring. Dernière recommandation. Parce que sinon, on n'a pas assez de temps pour passer. Vaut mieux passer les images de boxe. À moins que tu sois en direct, mais on n'est pas en direct. On y va. Go. Thank you.
Championnat d'Europe entre le tenant du titre, le français Salim Metchkoum, 55 kilos, il est en culotte noire. Face à lui, Martin Kratsev, en culotte rouge, 28 ans. L'arbitre de ce combat est italien Paolo Scarzo. Combat en 12 reprises de 3 minutes. Entre le français, donc 24 ans, de Clermont-Ferrand, c'est le régional de l'étape. Avec moi, Julien Lorsi, champion d'Europe.
lui aussi des super plumes. Déjà pour voir l'attitude des deux boxeurs, Salim Meskoun, pied droit en avant, main droite en avant. Boxeur dans le jargon, on appelle ça un gaucher. Quant à Martin Skratchev, boxeur un peu plus styliste, boxeur droitier. Boxeur qui a du métier. Meskoun qui est allé en Italie pour prendre la couronne à l'italien Belcastro, c'était le 11 septembre, non le 11 juillet, pardon, 96, créant un petit peu la surprise là-bas. Et c'est donc la première défense de son titre ici, chez lui. Et c'est une bonne chose. Ça a pu se réaliser grâce à Bestard, bien sûr, qui contrôle Meskoun, donc Louis-Michel Acariès, et aussi la municipalité, et surtout un industriel, Jean-Philippe Rey. Là, on peut voir tout de suite là, sur les premières minutes que Salim Meskoun est bien en ligne, il lève bien les mains, mais attention, une très belle droite que Martin Kratsev vient de donner. 18 victoires, 2 défaites, 1 nul et 11 succès avant la limite. C'est pour Kratchev. Oh, sa première défaite, c'était son premier combat professionnel en France avec un garçon que vous connaissez bien, c'était Philippe de Savoie. Ensuite, il a enchaîné les succès. Et puis, son dernier combat, c'était sur blessure, malheureusement, alors qu'il menait largement au point. C'était à Gravelines. C'est un battant. Battant organisé. Oh, la droite, magnifique droite. Droite en contre qui est arrivée à l'intérieur. C'est la surprise. Alors que Meskoun n'est jamais allé à terre avant ce soir. Oh, ça jette un frein dans cette salle. Attention, il faut monter les mains maintenant. Il le faut. Il faut s'accrocher un petit peu. Ouais, voilà, c'est bien. Il va récupérer. Comme quoi qu'il n'est pas fait en boxe, on avait dit que Martin Kratchev avait une très belle droite. Oh, une deuxième droite et j'ai l'impression que c'est terminé. C'est une énorme surprise que crée la Martin Kratchev en remportant ce combat. Et de façon radicale, KO première reprise, ils étaient à peine rentrés dans le combat. Oui, je crois que là, Salim Meskoun était pris un peu à froid. C'est vrai que dans ces conditions-là, on n'est jamais au top niveau, mais pour un cheval d'Europe, il faut se préparer à 100%, monter chaud sur le ring. C'est vrai qu'ici, il fait un petit peu froid dans la salle, mais quand même. Oh là là, c'est une terrible désillusion là que vient de faire subir Kratchev à Salim Meskoun. Oh, la salle qui était déjà un petit peu froide. Là, on va appeler le docteur. Il est... Voilà, les premiers soins. Ah, souhaitons qu'il n'y ait pas de suite, non. Ah, c'était pur, c'était beau. Là, on va rester un peu s'inquiéter de la santé de Meskoun avant de revoir au ralenti ces deux droites qui ont été foudroyantes. Voilà, regardez. Et c'est l'arme idéale face à un fausse garde. Elle surprend, il le feinte bien, il l'amène bien avec son semblant de crochet gauche. Il se procure une ouverture. Et il fait suivre la droite immédiatement qui arrive à la pointe du menton. Rien à dire. Peut-être un petit peu à froid, c'est vrai. Mais il faut être vigilant de le premier coup de gong en boxe. Et ça, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Julien. Oui, d'autant plus que Salim Meskoun avait plutôt une boxe offensive. Et là, dans la première reprise, il a voulu un petit peu... On pourrait dire observer son adversaire, c'est pas toujours, vous voyez, les bonnes précautions à prendre, comme quoi que les rounds d'observation, ça ne veut pas trop dire grand-chose. Bah, ce qu'il voulait peut-être faire, c'est quand même prendre la distance. Et alors, je vous rappelle que sur 18 victoires, eh bien, Kratchev en a remporté 11 avant la limite. On tarde un peu, c'est-à-dire qu'on... Le docteur, c'est bien, prend son temps. Voilà, ça va. Ça va pour la santé, c'est l'essentiel.
Mitchkoun, je vous le répète, oh là là, foudroyante droite. Venez. Réussie par le bulgare Pachev. Comme quoi, ton boxe, tout est possible à n'importe quel moment. Ah, et c'est vrai qu'il y a plus de risques en boxe que quand même au football. Ah, il ne faut pas faire la moindre erreur, c'est sûr. Oh, que ça doit être dur. Vous, Julien, hein, vous venez d'être champion d'Europe. Vous allez peut-être faire différemment. Vous n'allez pas défendre votre titre. Je ne pense pas, vous n'aurez pas le temps. Puisque début mars, pour vous, c'est une échéance beaucoup plus importante qui vous attend. Mais ça doit être terrible parce que un titre de champion d'Europe, c'est un capital. C'est son capital, comme le vôtre d'ailleurs pour l'instant. Oui, tout à fait. La Salim Mechkoun a été pris, moi je pourrais dire qu'elle a été prise à froid. C'est vrai que vaut mieux perdre le combat sur 12 roues d'un point que de le perdre dans des situations comme ça. C'est un garçon qui s'est préparé avec tout son sérieux. C'est quelqu'un qui a voulu donner tout son cœur. Sa ville était avec lui. Et bon, sur un petit incident, bon, c'est ce qui fait aussi la boxe, me diriez-vous. Et puis, si on n'accepte pas ça, on va jouer au ping-pong. C'est impitoyable. Hein. Mais c'est impitoyable, là-bas, pourquoi qu'il ne faut pas l'oublier, que ça ne reste pas quand même un sport comme les autres. Et c'est pour ça que les boxeurs, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, il faut leur montrer quand même une grande sympathie. Puis beaucoup de respect, beaucoup je crois. Beaucoup de respect, tout à beaucoup fait. Beaucoup de respect. Il y a eu un geste, d'ailleurs, de José Leroy, qui entraîne donc Kratchev, là-bas, chez lui, à Grande-Synthe, et qui est venu embrasser Mechkoum. Mechkoun qui en fait il n'y a pas eu de championnat d'Europe. Ce soir il y a eu deux coups. Ah, je ne sais pas s'il y aura une possibilité de revanche, si Louis-Michel Agaïès qui s'occupe de Mechkoun pourront mettre sur pied, parce qu'en fait on n'a pas vu de combat. Sur le papier, on pouvait dire que Salim Mechkoun était favori. Oui, tout à fait. Et bien voyez que c'est vrai qu'en boxe, c'est pas tout à fait comme les autres sports. La moindre erreur peut-être fatale, elle l'a été ce soir devant son public. Il doit être triste, il doit être triste. Le public est triste ici à Clermont-Ferrand. C'est dommage, on avait tout fait pour lui, tout fait pour que ce soit une belle fête, pour qu'il étreigne et qu'il finisse bien l'année. Salim Mechkoum, eh bien, ce sport qui est terrible, eh bien, c'est comme ça. Et tout à l'heure, je crois que Julien, lui, eh bien, a gagné dans la première reprise. Et c'est pas arrivé, c'est arrivé plus d'une fois. Donc, le Bulgare Martin Kratchev doit être ravi de ce qui vient de se passer. Regardez Mechkoun là. Oh là là là. Le visage. La tristesse, il ne sait pas très bien, je crois, ce qui lui est arrivé encore. Bien sûr, je crois qu'il ne réalise pas encore tout le déboire qu'il va y avoir après. Mais bon, je pense qu'ils vont demander dans son coin de faire une revanche. On va pas dire que ce serait normal, je pense que ce serait normal qu'il ait une revanche, parce que là, il a été vraiment pris à froid. C'est dommage que ça nous annonçait un combat spectaculaire dans lequel les deux protagonistes avaient tout à fait leur chance, mais on aurait aimé un combat autre que celui-ci. Ouais, surtout plus long, parce que là, Mechkoun n'a pas eu l'occasion en fait de se défendre, de prendre sa chance. Il a subi, puisque Kratchev avait pris l'initiative dès le début du combat, et il a surtout réussi à placer cette première droite foudroyante, droite plongeante, magnifique. En tout cas, la boxe, il faut le rappeler, ça reste un des sports dans lequel on peut se permettre d'abréger le combat. C'est-à-dire que Marie-José Perret, quand elle part pour les 400 mètres, elle est obligée d'aller au bout. Parce que dans la boxe, on a il a eu la chance, on pourrait dire, Kratchev, de pouvoir abréger le combat. Et croyez-moi qu'il ne l'a pas laissé passer, il a pris un petit peu Salim Mechkoun à froid. Et donc, ça fait partie de ce sport, et puis il faut le faire avec ses règles. Bah ben c'est triste pour nous, Julien. Je crois que vous étiez ravi de pouvoir donner votre avis sur un autre champion d'Europe. On était contents. Et puis malheureusement, ben, pour la boxe en France, ça nous fait un champion d'Europe en moins. Surtout un garçon qui était sympathique, mais c'est la boxe, comme vous le disiez. Oui, bien sûr. Moi, j'étais heureux de pouvoir commenter Salim, puisque c'est un garçon que je sais qui a beaucoup travaillé, qui est quelqu'un qui est très studieux. Et puis, bon, j'ai vu un peu tous les sorts de cette, on pourrait dire, ce petit pays avec les Clermont-Ferrand qui était de tout cœur avec lui. Et puis, c'est vrai que ça fait froid au cœur de voir un petit peu une fin triste comme celle-ci. Allez, c'est pas la fin du monde pour lui. Il est encore jeune.
souhaitons qu'il ait très bientôt une prochaine chance européenne. Martine Cachette qui, je vous le rappelle, n'était pas un challenger.